Attends, c'était quoi la touche déjà? Proposer échange. C'est quoi la touche? Contrôle tab. Putain, mais c'est quoi ça? Yeah, on est avec des gens, avec des inconnus. Bah, j'essaye. Bon, les mecs, faites votre mission, moi je vais tuer des trucs. Hein. Où on va aller? On va aller trouver le superviseur. Ok. Ciao! Plus tard. Ça, c'est de l'art, ça. Dès qu'il voit quelqu'un, il se pique. Mais oui, je sais plus la touche. Est-ce que ça a changé? C'était en QWERTY tout à l'heure. Ça marche bien. Je sais pas. Z et C, quoi. Je me demande pourquoi ça tourne, ça charge. Parce que c'est serveur, tu vois. C'est moi ou on dirait des chevaux qui courent? Les loot changent. Change en fonction. Ah, peut-être. Ah, lumière. Ça aussi, c'est un cheval? Il nous reste encore quoi? 40 minutes? On peut prendre qu'une drogue à la fois? Ah, je crois que c'était pareil dans le programme. Un zèbre fou. T'es moche. T'es moche aussi.
l'état du superviseur. Ville de Flatwoods. Mon Dieu. Il n'y a personne ici. L'ancienne taverne, l'église. Les gens s'en servaient comme abri, mais... Il n'y a plus personne. On s'attendait à des mutations, mais... Il s'agit de quelque chose d'autre. D'une maladie. J'ai été attaquée par... Je crois qu'avant, c'était une personne. Mais elle présentait des lésions vertes et scintillantes. Et sa voix, furieuse, torturée. On est un. Un quoi? Ce qu'il s'est passé ici dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Et pourtant, on a imaginé l'inimaginable. Halt. Les survivants du coin se faisaient appeler les Samaritains avant qu'ils se fassent décimer. Un groupe composé de pompiers, de policiers, d'urgentistes. On avait même un système automatisé pour apprendre aux gens à traiter, à cuisiner. C'était pas voulu. Désolé. N'oubliez pas l'entraînement de l'abri. La survie d'abord. Je remplis leurs tests et vous devriez faire de même. Bon. Ton perso va se reset pour la prochaine fois. Normalement, non. Je sais que la situation est bien pire que ce que l'on pensait. Mais quelqu'un doit localiser ces silos à missiles et trouver le moyen de les sécuriser. Les Samaritains sont la meilleure piste que nous possédons. Quand j'en aurai fini ici, je reprendrai la route. Cherchez mes journaux. Je vais partir devant et partager tout ce que je trouve. C'était votre superviseur. Terminé. Yeah. Voilà, faudrait prendre le temps de refaire les touches, mais bon, on fera la prochaine fois quand on aura plus de temps. Parce que là, c'est carnage, là. Je connais à moitié les touches et tout, c'est n'importe quoi. Vous avez vu, c'est des caisses de PUBG. Caisses de ravitaillement pour le Battle Royale. Ici le révérend Delbert Winters. J'ai passé toute ma vie dans cette petite ville. J'ai loué mon église aux Samaritains pour qu'ils y installent leurs avant-postes. Et tout le monde y est le bienvenu. Les Samaritains sont des missionnaires divins. Ils tendent la main à leurs compatriotes les plus nécessiteux, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre à nouveau et nous accueille en son sein. Quand ça s'est passé, je me suis dit comme tout le monde que notre heure avait sonné, que la fin était proche, mais c'était pas le cas, pas vrai? Nous sommes encore là. D'abord, j'ai cru à une erreur, qu'on nous avait oubliés. Plein de gens nous partout. Nous avions peut-être fait une bêtise. Enregistrez-vous en tant que volontaire. Nous avions peut-être pas assez donné aux bonnes œuvres, oublié de louer son nom dans les moments difficiles, ou eu des pensées qui n'auraient pas dû être pensées. Alors, je lui ai demandé pourquoi. Je me suis battu pour vous sur Terre. Je suis prêt à me battre à vos côtés, là-haut. Et dans mon désespoir, j'ai vu des survivants manger cru des carcasses de rats derrière une poubelle. Je leur ai conseillé de les faire cuire d'abord. Ça me semblait évident. Ils m'ont répondu, couverts de saleté, qu'ils avaient essayé et étaient tombés malades. J'ai immédiatement réalisé qu'une mission... Tuer les superviseurs. Depuis, j'ai construit des cuisines. J'ai préparé des repas. Qui arrivait le ventre vide. Trouver le superviseur Satou. Je le remercier pour cette vocation. Quoi? Alerte automatique à tous les Samaritains. Les Mister Farmans sont devenus incontrôlables. Évacuez les civils et éliminez ces superviseurs. Quand vous vous en serez occupé, il faudra encore redémarrer le serveur. Ah, Sivoir, c'est le mec avec moi. D'accord, je vois ses missions en fait. Lui, il est en train de trouver le supérieur. Ok. Donc moi, je dois faire localiser. Je dois être plus loin. Demander à tous de documenter nos histoires personnelles pour la postérité. Ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, moi, c'est Keisha McDermott. Quand les bombes sont tombées, j'étais à Watoga pour coordonner un festival de sciences pour lycéens. Le thème tournait autour de l'avenir des énergies.
Après les bombes, ça a été le chaos complet. Ils ont cherché à bouffer et combattre les survivants enragés. Enfin bref, c'était la folie. J'ai retrouvé deux élèves du lycée dont les parents étaient morts. Et on s'est regroupé un bon moment dans une... Non mais t'es moche toi, va-t'en. J'aime pas. Au bout d'un certain temps, j'ai pu ressouder les circuits d'une vieille radio et deuxième on a capté sacoche, la fréquence des Samaritains. Ah, sympa, oh, on était fous de joie. Ok. Le voyage de Watoga à Blackwoods n'a pas été facile, vous vous en doutez. On a croisé la route d'un groupe de connards dans les montagnes. Non, on l'a déjà fait. Ils nous ont volé tous nos vivres. Là-bas. Imaginez pas le je suis en train de chercher les deux autres cadavres. Les Samaritains à Flatwoods. Des tentes pour tout le monde, des cuisines ouvertes, du matériel médical, une certaine protection. Oh, nous étions en sécurité. Mais ils avaient un problème. Leur source d'eau était lourdement contaminée. Et ils la faisaient bouillir, mais pas assez longtemps pour la rendre potable. J'aurais proposé de construire un kit permettant de tester et surveiller la contamination. Et je leur ai appris à faire bouillir correctement l'eau. Le monde s'améliore peu à peu. Nous devons aussi nous assurer qu'ils ne sont pas à nous. Il nous faudra du temps et de l'attention. Je crois que c'est mieux d'avoir une arme au corps à corps. Je sais même plus si j'ai... assez de... Comment soin ? Le mode vache, j'en sais strictement rien. Ça ciblait, ça voulait pas tirer. Donc on va retester contre un monstre unique. Mais bienvenue dans le futur, rendu possible par Voltec. J'ai plus assez de PA. Vu que c'est en temps réel maintenant, je comprends pas. D'accord, t'as l'air de viser, de tirer en fait. Tout simplement. J'aime bien parce que Bethesda, ils étaient là. On veut pas trop que les gens se rencontrent, mais on veut qu'ils se rencontrent quand même de temps en temps, mais pas trop. Ouais bon bah là on est tous au même endroit quoi. Faut qu'on descende. Je sais pas où. Faut trouver des escaliers sûrement. Ah merde, je suis sorti. Ouais, le mode vase, ça a l'air un peu pourri, en fait. Alors, je sais pas, parce que normalement, on sélectionnait nos tirs avant. Là, on tire directement, en fait, j'ai l'impression. Ou alors, c'est moi qui fais encore un truc pas bien, mais bon. Avec les trucs avec le clavier en QWERTY, en fait, c'est un peu dur de savoir quelle touche fait quoi. Faudrait tout remapper, mais encore une fois, on a 25 minutes de jeu et après, c'est fini. Donc je préfère jouer quoi. Ouais non c'est à l'intérieur putain.
C'est une carte à déverrouiller pour tirer dans les des parties différentes en bot. Okay. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi! Avance, on a 25 minutes, mec! Qu'est-ce que je dois faire? Tester un échantillon d'eau de la rivière, tester un échantillon. Écouter le journal du superviseur entrée 1. L'événement réussi. Écouter le journal entrée 1, c'est ici ou pas? Qu'on ressorte. Ouais, là le VAT sert strictement à rien, je dirais, à moins que... Bah, je sais pas, faut le faire en... faut le faire en temps réel pour cibler les parties, donc c'est con. Enfin, je sais pas, bon, ça sert à rien. Je vois pas vraiment l'intérêt. Il n'y a pas de ralenti, il n'y a aucun ralenti. Bien pour ceux qui jouent à la manette, ouais, peut-être. Le perso, il est figé à chaque fois que la porte se ferme. Genre, je peux pas avancer, rien. On doit l'avoir, le journal, sur nous, non? Du superviseur, entrée 1. Et après, tester un échantillon d'eau de la rivière, tester un échantillon d'eau des pompes. Juste quelque chose pour moi. Tester un échantillon d'eau de la rivière. Un de mes premiers postes chez Voltec. J'étais surexcitée d'y travailler, parce que j'y venais souvent quand j'étais petite. Je me souviens qu'une année, c'était le festival de l'automne. Je courais au milieu du labyrinthe de maïs. Je prenais n'importe quel chemin. Papa et maman me criaient de ralentir. Même pas en rêve. J'ai peut-être toujours voulu brûler les étapes. Je ne voulais pas être simple scout. Je devais être chef de troupe. Je ne voulais pas être... Oh, il fallait le faire là et pas là-bas. La blague. Là, ça a marché. Ça me manque. Juste être une enfant. Il fallait le faire à... Mais il faut la boire. Il faut la boire. Il faut la tester. Ça a marché ici, mais ça n'a pas marché là-bas. Alors que c'est la même eau. Ok, cool. On en a récupéré. Maintenant, il faut un échantillon d'eau des pompes Flatwood. Je sais pas le son des pompes Flatwood. Ah, là-bas. Évidemment qu'il faut la boire, faut tester l'échantillon. Parce que pourquoi pas? Je sais qu'on peut taper aussi au corps à corps. Mais... On verra ça la prochaine fois. Bon, ça suffit. Pourquoi faut le faire deux fois à chaque fois? Bizarre. Ah, soif de savoir, c'est bon. Analyser les résultats du kit d'analyse d'eau dans le laboratoire de Keisha. Ok.
Kesha, mon fidèle. Trouver le journal suivant de Assultant. On l'a ou pas? Le fait de pas avoir d'endurance, c'est quand même un peu relou aussi. C'est quoi qui fait ce bruit là? Bon là j'avoue on teste donc du coup on va vite. Fallout c'est pas vraiment un jeu où c'est qu'on va... Enfin où on trace, c'est pas vraiment ça mais... Par où on rentre? Ah. J'aime bien qu'il y ait il y a des erreurs d'écriture. C'est marrant. L'équipement. Merci de bien vouloir m'aider. Ok. Trouvez le journal suivant. Allez voir le kiosque en libre service. Kiosque. Ah, c'est à l'intérieur. Les ghouls, elles sont... Ouais, les ghouls, elles sont à moitié humaines, en fait. Faut aller chercher le mec chez lui. Bientôt 5, on va pouvoir faire du PVP. Faut que je regarde s'il n'y a pas d'autres choses à rajouter en habilité. Passer les niveaux. Ok, alors T. Posez un pack d'attitude non ouverte. Souhaitez-vous l'ouvrir, oui. Donc, comment appelle-t-on une houle qui joue à la guitare? Du hachis parmentier. Rang super, utilisez deux cartes pour créer une carte de rang supérieur. Putain, j'ai l'impression de jouer à un jeu mobile.
Examiner. Niveau 7. Merde, je sais pas regarder. J'ai spam, je sais pas ce que j'ai récupéré. Ce soir, vous allez découvrir l'incroyable. On va cuisiner un faux filet. Qui va là, l'étrange rencontre de Flatwoods. Dans l'épisode précédent, le tout jeune scout Fred Fisher rencontrait une petite fille du nom de Sally, tandis qu'il se cachait dans le noir. Finalement, il s'est avéré qu'ils avaient de la compagnie. Il y a d'autres gens ici? Oui, ils sont sûrement partis chercher des vivres, mais ils seront bientôt rentrés. Tu peux attendre avec moi si tu veux. Ils te donneront à manger à toi aussi. Tu dois juste faire ce qu'ils demandent. Hein? Comment ça? Quand ils veulent jouer avec toi. Jouer? Mais à quel genre de jeu? J'apprends encore les règles. En général, ils sont un peu ennuyeux, mais ils font pas mal, sauf quand il y a des aiguilles. Des aiguilles? Bah oui, tu sais, comme chez le docteur. Je connais aucun jeu comme ça. Ça a l'air vraiment horrible. Et ces gens ont l'air vraiment méchants. On doit partir d'ici. Non, non. Reste ici. D'accord. Arrête de crier. Les brahmines, c'est les vaches, là. Ah, la lumière. Je vois plus rien. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter? C'est super. S'il faut, c'est comme ça que ça se passe chez Bethesda. En fait. Tu dois développer des jeux. Non, je veux pas le faire. T'es obligé. Allez voir le kiosque en libre service. Trouvez le journal suivant. Oh, le kiosque en libre service est là-bas. T'as Goldo? Il reste plus que 10 minutes. Ouais, je sais, putain. Faut qu'on passe de niveau, là. On est 5 presque. Genre un tiers, un quart. Un petit garçon effrayé, perdu dans les bois. Ou alors, des envahisseurs venus de l'espace ont-ils véritablement fait subir à Fred Fisher un lavage de cerveau? On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode palpitant des contes des auteurs de... Contactez les Samaritains, l'air de la base de données. Là-bas. Pousse-toi! On a contacté les Samaritains. Départ ultime, ça y est. Yes! Ah, je vais niquer. Vas-y! Mets-moi 5! Trouvez le journal suivant. Le journal, on l'a pas encore. Yes! Putain, faut s'équiper! PVP! Vous avez atteint le niveau 5, combat les autres joueurs activés. Travaillez ensemble, tous les dégâts sont ignorés. Étrangers, dégâts réduits si attaque non réciproque, c'est n'importe quoi. Ennemis, tuez ou soyez tués, aucun. Tuez, soyez tués. Accepté. Ah!
Ah merde, il y a niveau 3. Faut que je trouve des niveaux 5 en fait, c'est ça? Ah putain, les chiens. Vite, 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 vite. Trouver un niveau 5 pas loin. Oh putain, faut trouver un niveau 5, vas-y. Un marqueur, marqueur, vite, vite, vite. Viens ici, viens ici! Bonne nuit, Goldo. Oh putain, on peut pas courir, on a pas de... C'est trop con de pouvoir voir les gens sur la carte. C'est trop débile. Putain, il me reste 8 minutes. 8 minutes pour tuer des gens. Y'a pas un mec plus proche? Non, y'a pas un mec plus proche, ok. Putain, vite, vite, vite. Ah. On va pas y arriver. Ah mon dieu, on peut pas mettre des escalators, ça va plus vite. Yes, 7 minutes, 7 minutes. Je veux voir comment ça marche le PVP, moi. Je suis curieux. Mais la poule, casse-toi! Il va où le mec? Oh putain, il est en train de partir. On peut pas se téléporter? Fais chier. Minutes. Quoi ce bruit? Oh putain, t'es loin, mec. Il est en train de faire la quête. On va le pécho à la quête. On va le pécho à la quête. J'espère que la quête s'est parlé. Comme ça, on lui met une balle à la tête direct. Bam, il sait pas. Il sait pas ce qui va lui arriver. La seule chose qui peut le sauver, c'est les serveurs qui ferment. C'est pour la science. C'est pour la science. Je me droguerai bien, mais ça va perdre. On va perdre des secondes. Non! Si, il est toujours dedans. Ah, ok. J'arrive. J'arrive. Il faut pas l'activer, le mode PVP? Parce que je sais pas, il y avait trois cartes. Genre pacifiste, moitié-moitié... et mort pour tous. Comment il s'appelle, le mec? Gabu. Gab. T'es où, Gab? Gab. Gab, faut qu'on parle. Comment on l'active, Gul? Gab, t'es où? Putain, Gab, t'es où? Je m'en bats les couilles de ça. Gab! Putain, c'est un calciné, je m'en fous. Gab! T'es là? Merde! C'est pour la science! Ça marche pas. Ça marche pas. Pour la science. Gab! Proposer un échange. Yes! Je te défonce, Gab! Je te défonce, Gab! Tu m'as touché. Maintenant, on fait du PVP. Cap. Putain, il va me défoncer. Cap. Arrête. Ah.
On peut répartir. Yes. Go, 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 go. Vite, charge, charge, charge. Allez! Allez! Gab! Je suis encore là! Je vais te défoncer, Gab. Je vais te défoncer. Encore 3 minutes. Allez, casse-toi, toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, lâchez-moi. Gab, t'es où? Il est encore là? Mais si! Je te défonce. Je te défonce ta gueule. Nya! Dépouille, mec. Faut être prêt parce qu'il va revenir. Faut prendre de la drogue. Faut prendre de la drogue. Divers. Aide. Psycho. Psycho, go, go, go. T'es où, Gab? T'es où? C'est où que t'es réapparu? Ok, t'es réapparu là-bas. Donc je peux complètement harceler un mec, hein. Je veux pas dire, mais leur système de Bethesda, il est complètement débile. Je peux complètement harceler le mec. Ok, il arrive. Viens, 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 Gab. Viens. On va se la donner, tu vois. Vas-y, vas-y, je te défonce. Vas-y, je te défonce. Arrêt imminent. Non, 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 non. Gab! Reviens! T'es là-bas. J'arrive. Gab. 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 Je m'en bats les couilles. Ratop, lâche-moi. Gab. Viens ici. Viens ici, Gab. Je t'ai retrouvé. Gab. Gab. Vas-y, touche-moi. Vas-y, Gab. Viens ici. Yes. 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 Yeah. Ok, il peut réapparaître là, donc on se buff. Go, on se buff, c'est débile. Psycho, psycho, Manta, Radix, Radeway. Ok, on est bon. Putain, Gab! Je te défonce! T'es là. Gab, viens ici, viens ici, viens ici, Gab! Ah, putain! Non mais tu fais pas le poids. Mais il va me tuer. Mais pute. Ok, vite, 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 vite. Là. Là. Putain, là, par là, vite. Vite, allez. Sors l'arme. Gab, Gab. Je te défonce. Allez. Allez. Allez, touche-moi. Touche-moi. Putain, t'es ici. T'es ici. Oh la vache, je fais ici. T'as pas assez de PA, t'inquiète pas, tu vas t'arrêter. Voilà, moi j'en ai plus par contre. Vas-y, vas-y Gab. Gab, t'es en stream, vas-y, souris. 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 Touche-moi. Touche-moi. Je veux que tu deviennes rouge. Je vais réussir à te tuer au bout d'un moment. Bienvenue, bienvenue pour, dans le PVP de... Fallout 16, 76. Touche-moi! Putain, ça pute. Je lui fais consommer tous ses vêtements. Tous ses. Oh yes! Quoi? Comment? Ah, y'a du lag, y'a du lag. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est du lag, c'est du lag. C'est du... Putain, vas-y, Gab, Gab, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Reviens! Putain, je te défonce, ta race. Je vais te couper la tête et je vais t'enculer la tête. Vas-y, viens ici. Viens ici. Putain, vite.
Drogue. Ah, j'ai pas de drogue. Du sel. C'est bon ça, du sel. Vas-y, vas-y. Hein? Allez. On a pas le temps, arrêt imminent là. Non. Ah, il triche, t'enfoiré en plus. Tiens. Oh la vache, il est en train de me one-shot, le mec. Genre lui, il est pas con. Il a contré. Ouais, il se booste. Il se booste pendant qu'il est pas en. Il est pas rouge. Et après, il se met en rouge. Mais tu peux complètement exploiter le mode PVP de Fallout 76. C'est complètement con. Le mec qui a inventé ça dans l'équipe, il était complètement teubé. C'est énorme. Mais c'est complètement débile. C'est marrant. Attends, Gab. Attends, j'ai peut-être mieux. On se la fait à la machette, Gab? Vas-y, go la machette. Gab, go la machette. Non mais reviens, Gab, allez, c'est bon, on s'en fait encore une. Ah, tu veux plus le faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je m'en fous. T'aimes pas ce que je suis en train de faire, t'as qu'à te plaindre à Bethesda, c'est pas ma faute. Oh, il se téléporte! Ah, il se téléporte et tout, c'est énorme. chercher à se venger. Yes, chercher à se venger. Salut tonton, question, ils utilisent quoi comme anti-cheat dans ce jeu? J'en sais rien du tout. Sûrement de la merde. Gab, attends, trouver Gab. Quoi? Merde! Gab est mort, apparemment. Y a des autres personnes là-bas. On va les défoncer. Hey, go. Vas-y, à la machette. Oh putain, 3 minutes. Gab a dû regretter la préco de Fallout 76. Putain, t'inquiète pas qu'il l'a regretté là. Mais là, il est dans le support client. J'ai un mec qui me harcèle, s'il vous plaît. Vous pouvez l'arrêter. Il veut pas que je joue. Il se re-téléporte à côté de moi tout le temps. Et il me voit sur la map. Et il me harcèle tout le temps à me taper, s'il vous plaît. Il triche. Putain, 2 minutes 40. Ah putain, on y est presque. Complètement débile. Ah oui, le truc de s'accroupir aussi, on voit plus sur la map. Exact. Pas mal. Oh merde, ils sont deux. Je m'en bats les couilles. Hey, go. Mais casse-toi, toi. Ils sont passés où? Yes. 1 minute 40. Venez. On fait du PVP. Ouais. Toi, tu sais ce que c'est, ça. Yes. Vas-y, je te défonce. Yes. Oh, yes. Non. C'est bon. Non. Je vais plus vite. Yes. Putain, on a fait des kills. Ah, oh, putain, t'as le loot. Elle est où, la boîte? Putain, tu peux tout ramasser, quoi, c'est abusé. Je fais E plein de fois. C'est bon, suivant.
Merde, 40 secondes. Putain, il est passé où son pote? Il est là-bas. Vas-y, je te défonce. Yes! Oh la vache, comment tu fais mal? Tu vas me défoncer. Tu sais pas où je suis? Tu sais pas où je suis? T'as peur, hein? J'ai bloqué, bordel de merde. Réapparaître. Chercher à se venger. Chercher à se venger. Yes. C'est débile, ce jeu. Non. Oh non. Oh non. Il y a toujours écrit niveau 1. Il y a toujours écrit niveau 1, alors je suis niveau 5, hein, mais c'est pas grave. Ce fut un grand moment vidéoludique. Heureux que ça plaise. Je sais pas, qu'est-ce qu'on en dit de Fallout? C'est de la merde? Non, je sais pas, non. Bethesda va recevoir des plaintes. Il y a un malade qui attaque tout le monde. On me traque, on veut ma peau. Help. C'est très 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 mal fait. On dirait une alpha, mais d'un jeu indé en fait. On dirait Scum. On dirait Scum en fait. Très mal fait. Donc on a toujours le problème de la manette contre le clavier par exemple, comme dans Fallout 4, genre la manette elle est détectée automatiquement dans le jeu. Donc déjà t'as ça. L'AZERTYS, ça n'existe pas chez Bethesda, ils font que des jeux en QWERTY. Si tu changes les touches apparemment ça merde les menus. Les menus ne fonctionnent pas parce que les menus ne sont pas remappables en fait. Tu remappes le gameplay, tu remappes pas les menus, alors que t'as une seule option pour les commandes. Donc ça, si on change ça là, ça changera seulement pour le gameplay à l'extérieur. Dans les menus, ça restera genre W pour avancer, etc. Pour monter, c'est ça. Enfin voilà, c'est pourri. Comme le mode bulle de F4, voilà, c'est pareil. Donc il faut mettre le clavier en QWERTY, donc c'est chiant. Le PVP c'est complètement débile, c'est complètement attardé, parce que tu peux complètement te buffer avant de te mettre en mode PVP, comme le mec il faisait. Tu peux prendre des drogues. Tu peux complètement suivre une personne. Tu peux complètement harceler une personne, une seule personne tu peux l'harceler. Genre tu veux passer ta journée à être un fils de pute, en gros hein. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça dans Fallout 4. Fallout 76. C'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le PVP a l'air d'être assez aléatoire aussi. Genre les coups. Des fois, il y a des coups qui n'ont pas été enregistrés. Qui n'ont pas été enregistrés alors que je l'ai touché. Et vice-versa. Donc ça, c'est dû sûrement au lag des serveurs, je pense. Les armes de corps à corps sont complètement OP par rapport aux armes de mêlée, en tout cas pour le moment. Donc voilà, il y a ça aussi. Tu peux, vu que tu vois la personne sur la carte, même si elle décide de pas te toucher, tu peux complètement la suivre, tuer tous les monstres sur son passage, et du coup elle a plus rien à faire. Donc, genre elle peut plus faire d'expérience, limite. Limite, tu peux faire ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, bien sûr, comme on m'a rappelé... Non, je disais entre les armes à feu et les armes de mêlée. Après, comme on m'a rappelé, c'est vrai qu'on peut s'accroupir et on est invisible sur la carte. Mais du coup, ça pousserait à s'accroupir quasiment tout le temps, 24/7.
C'est ce que j'avais dit dans mes vidéos précédentes, en fait. Ouais, non, c'est con. C'est débile, quoi. C'est débile. Alors, pour corriger ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut enlever les gens sur la carte, déjà. Et c'est bon. Et après, on peut jouer. Après, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, bah, j'espère que vous serez bien amusés. C'était bien moche. On retestera... C'est quand le prochain ? Attendez, je regarde. On avait dit quoi ? Le 1er novembre ? Ouais. 1er novembre à 19h. 1er novembre à 19h, donc on en fera. Sinon, demain, on retourne sur Red Dead, parce que c'est beaucoup mieux. On retournera sur Red Dead. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont revenus. Et restez jusqu'à 4h du mat pour jouer à ça. C'était magnifique, ça en valait le coup. Ça en valait le coup, je pense. Et on va essayer de trouver un moyen de se faire rembourser avant qu'il sorte. Je pense que tout le monde va faire ça. Bonne nuit à tous. À demain pour du Red Dead Redemption. Peut-être qu'on commencera vers 18h. Un peu plus tard que d'habitude. Je sais pas encore. On verra. Bonne nuit à tous. Ciao !